Beine! Du Beine! Du Bein! Du Beine! Les Odens Azakel sont pour les familles, pour les mamans. C'est un endroit où la maman peut trouver des conseils nutritionnels, des conseils sur les bonnes pratiques alimentaires. Et puis, elle peut aussi trouver surtout l'aliment de complément, la bouillie prête à consommer, qui est la koubaïne. La koubaïne, c'est une farine fortifiée. Elle est faite de riz, de maïs, de soja, d'arachide et puis de minéraux et de vitamines qui répondent justement aux besoins nutritionnels des enfants malgaches. Les hôtels dans lesquels sont tenus par des femmes qui sont issues de quartiers défavorisés. Elles préparent la bouillie très tôt dans la matinée et puis ouvrent l'hôtellerie aux femmes et aux familles pour qu'elles puissent en fait venir dans le restaurant offrir un repas chaud à 5 centimes d'euros à son enfant. Les familles viennent généralement très tôt dans la matinée. Si elles ne viennent pas, à partir de 6h30, 7h, l'animatrice part en tournée mobile dans le quartier avec un thermos chaud et elle va vers les familles. Elles partent très tôt le matin, elle prépare sa bouillie dans l'hôtel Zazakel et puis elle prend son thermos qui pèse dans les 7-8 kilos pour faire le tour du quartier et elle met 3 heures pour faire le tour du quartier. Dans sa tournée, quand elle entre dans une petite cour d'une maison, il y a toutes les familles qui sortent avec les enfants et qui attendent leur tour pour être servies. Parce que dans chaque cour malgache, il y a au moins 5 familles. Et dans 5 familles, il y a au moins 2-3 enfants. Et tout le monde sort de la maison. Elle dit juste « Kubaino, Kubaino ». Et ça y est, tout le monde accourt avec son petit bol pour acheter la Kubaino de la journée. Les femmes vivent de ça, les mamans travaillent pour pouvoir acheter ça, donc ça crée vraiment une dynamique économique. Mais également, ça crée des liens parce que les animatrices sont issues du quartier. On touche la famille à travers les animatrices. Après les centres de santé, l'animatrice est le second moyen de sensibilisation le plus écouté dans le quartier. Au bout de 10 années d'intervention à Madagascar en tant que projet, il a fallu en fait que le GRED trouve une forme de la structure qui allait gérer les restaurants pour bébés pour pouvoir toujours offrir aux familles les mêmes services de qualité et pouvoir ensuite étendre aussi, puisque nous on est actuellement dans 7 villes de Madagascar, alors que dans tout Madagascar, la malnutrition est toujours aussi présente. Et c'est pour ça qu'on a créé l'entreprise Nutrisas. Le statut d'entreprise était s'imposer en fait. On est sûr que ce réseau-là, il pourra toujours tourner. C'est un moyen de pérennisation et de durabilité des services qui sont offerts. C'est un lobbying qu'on fait parce qu'à Madagascar, le statut d'entreprise sociale n'est pas connu. Il faut qu'on sensibilise les partenaires institutionnels, qu'on ait une entreprise sociale, mais que le social prime sur le reste. Et qu'on n'est pas là pour faire du profit, mais qu'on est là vraiment pour lutter contre la malnutrition. L'avantage ici, c'est qu'on a des partenaires, dont justement l'AFT, qui nous accompagnent sur les premières années de l'entreprise qui sont difficiles. Il y a certains partenaires institutionnels qui nous reprochent de gagner de l'argent. C'est pas vrai. Si on était dans la gratuité, demain on fermerait les portes et tous les restaurants pour bébés fermeraient également. Un des indicateurs sociaux de Nutrisas, c'est comment est-ce qu'on a réussi, un, à lutter contre la malnutrition, c'est vrai, mais est-ce que, deux, également, on a réussi à offrir à ces femmes qu'on appuie un niveau de salaire descend. On est très sensible vraiment au statut des femmes animatrices qu'on appuie. Parce que sans elles, le réseau ne serait pas en place. Sans elles, les femmes n'auraient jamais eu accès à cette farine-là, à cette bouillie-là.
la distribution quotidienne de la cobaïne crée la vie, change la vie. La cobaïne, c'est la bouillie de vie.